Elle est une maman dévouée, prête à tout pour obtenir les faveurs de sa petite Nina. Classe égale à HRL, Laurie Pesté a dévoilé les coulisses de sa vie de maman, le mardi 7 septembre 2021. Et notamment une technique spéciale pour que sa fille explose de joie. Sur Instagram, la chanteuse et actrice de 39 ans a partagé une photographie sur laquelle elle prend la pose. Point avec une peluche poulpe sur la tête. « Qu'est-ce que je ne ferais pas pour faire rire ma fille » écrit-elle. Et ça marche à tous les coups, prenons-en de la graine. Laurie Pesté a profité de vacances en famille à la mer, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais le retour à la réalité était un passage obligatoire. Maman depuis un an, Nina est née en août 2020. La comédienne partage son temps entre les moments d'émerveillement, les petites galères et ses obligations professionnelles. Si elle avait fait ses adieux à Lucie Salduxy, son personnage dans la série Demain nous appartient. Elle l'a finalement retrouvée, récemment, le temps d'une arche scénaristique qu'elle a tournée dans le sud tout en s'occupant de Nina. La vie de maman est un bonheur qu'elle n'osait plus espérer. En couple avec un mystérieux inconnu. Atteinte d'endométriose, Laurie Pesté a longtemps cru qu'elle n'aurait jamais la chance de porter la vie. « Parfois je la regarde, et je me dis ça y est », racontait-elle au magazine Gala. « C'est mon combat. Je me suis toujours battue pour avoir les choses, j'ai travaillé. Mais ça, c'est ma victoire. La maladie est toujours là, malheureusement. En fait, quand t'es enceinte, tu n'as plus de douleur puisque tu n'as plus de règles. Et ça, c'est bien. » Ça dépend des filles, moi, j'avais peur que les piqûres d'hormones accentuent la maladie. Et je pensais que ça allait être pire, mais je m'en sors plutôt pas mal. Laurie a longtemps affirmé qu'elle préférait rester toute seule. C'est finalement à plusieurs qu'elle mène une existence épanouie.